Et voici à ce propos un document, le choc des images dans un paradis grec. Il s'agit de la petite île de Kos. Incroyable contraste, des migrants débarquent chaque jour sur les plages au milieu des touristes. Envoyé spécial Samassoula, Yann Moine. C'est une île grecque aux eaux turquoises, juste en face de la Turquie. Les touristes y viennent du monde entier. L'île de Kos, soleil et dolce vita, loin de tout, loin de se douter que ce décor de rêve est le théâtre d'une toute autre histoire. Elle se déroule aux heures où les touristes ont déserté. Il est 6 heures ce matin-là, et nous en sommes les témoins. Une embarcation surchargée tangue dangereusement. Dernier mètre avant l'arrive, ce sont les enfants qui sont mis à terre en premier. Trempés, épuisés, transis par la peur et le froid, ce sont des clandestins qui viennent de toucher le sol de l'Europe. 1h15 de traversée, ils arrivent de Bodrum en Turquie. Des larmes et des félicitations pour avoir survécu. Ce couple est syrien. Le bateau était plein d'eau. On a failli couler. Les parents débarrassent les enfants de leurs vêtements mouillés et de leur dérisoire gilet de sauvetage, tout juste bon pour survivre dans une piscine. 1000 euros par tête la traversée. Cette famille irakienne vient de Bagdad. Ma fille a 11 ans. Lui a 8 ans et celui-ci 5 ans. J'espère trouver une vie meilleure ici pour mes enfants. Quelques photos sur le sol de la terre promise, preuve de vie qui sera envoyée aux proches. Ils savent juste qu'ils sont en Grèce, mais c'est nous qui leur précisons le nom de l'île. Kos. C'est Kos. Okay. Ah, Kos, super, c'était notre objectif. Au loin, les hôtels de touristes. Objectif atteint, mais ce n'est pour aucune étape. Ce sont 45 migrants que nous avons vus tout à l'heure débarquer à bord de ce pneumatique sur cette plage de Kos, à quelques mètres des parasols où vont s'installer tout à l'heure les touristes. Et cette scène se reproduit tous les jours sur cette île de Kos. Et les voici, les premiers vacanciers qui se réveillent quelques heures plus tard sur cette même plage, interloqués par la présence de ces bouées et gilets de sauvetage abandonnés. J'ai pensé qu'un bateau s'était échoué. Il y a des gilets de sauvetage partout. C'est vraiment étrange de voir ça. C'est très petit. Des gilets pour enfants, pour adultes, des enfants. Mais où vont-ils aller en Grèce? Il y a une solution pour eux ici?